C'est une mission qui répond à une attente, donner la parole aux lycéens, à leurs parents, à la communauté éducative et au personnel de la région pour qu'ils nous disent dans quel état réel ils étudient, dans quel état réel ils travaillent, parce que selon Laurent Wauquiez, il n'y a plus de lycée en mauvais état et nous avons de sérieux doutes, parce que ce n'est pas ce que nous disent ceux qui vivent dans les lycées. Et donc nous allons pendant 2 mois mettre à disposition des lycéens une plateforme en ligne dans laquelle ils pourront répondre à un questionnaire, dans laquelle ils pourront poster des témoignages vidéo et photos à l'appui. Nous allons leur donner des tracts. Sur la Haute-Savoie, Laurent Wauquiez parle de 161 millions d'investissements. Dans les faits, il n'a que 16 millions de travaux achevés. Il y a plus de 36 millions de projets recyclés qui sont liés à des projets qui étaient déjà engagés sous la mandature de Jean-Jacques Kerrane, le précédent président de région avant 2016.